Bonjour, bonsoir à tous. Madame, monsieur, encore une fois, nous vraiment contents pour entrer la KO dans le cadre de nouvelle émission. Jodi a nous pral parler sous dollar américain. Dollar américain, chaque jour cap grandi, chaque jour cap souffleté goudla. Madame, monsieur, nous pral parler de un coup d'État. T'assemblé l'État haïtien fait un coup d'État contre petit peuple là, contre la masse là, contre secteur informel là, dans affaire dollar américain. Qui donc nous pral chita parler, nous pral fayon long rale mené vini sous dossier dollar américain qui gagne dans le pays d'Haïti. Dollar américain dans le pays d'Haïti, bay en pile ke kasi, en pile tête chargée, en pile famille à plaigner, en pile moun à critiquer l'État dans façon que y a géré dollar. Madame, monsieur, nous pral prenons une petite pause. Pendant petite pause, nous allons montrer comment pour abonner avec Chanel là qui c'est TAC Info. Si vous pouvez abonner avec, liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune information. Madame, monsieur, n'a parlé de dollars américains. Haïti trouvait une situation qui vraiment, vraiment délicate. Marché informel là, presque pas gain dollars du tout pour fonctionner. Alors, ça qui joue un dollar, c'est avec un pile temps pris souple et un pile en bas, un pile misère, où arrive un dollar américain dans le pays d'Haïti. T'as semblé qu'il y a un groupe de monde qui kembe dollar dans le meyo, qui empêchait dollar circuler normalement. Pour qui raison nous pas qu'ajouter un dollar sous marché? Est-ce que l'État haïtien, ensemble avec secteur privé, secteur des affaires là, fait un seul pour yon porter un coup d'État contre petit peuple là, pour yon porter un coup d'État économique contre marché informel là? Moun ki gagne parent yo ou bien yon proche yon zami yo qui États-Unis ou bien Canada dans l'autre pays, kap voye dollar dans pays d'Haïti. Eh bien moun sa yo même les ou voye dollar ba yo, le al pren nan bureau de transfert yo, yo ba yo avec yon taux qui vraiment bas. Imagino ou moun voye 100 dollars américains pour ou, le al pren, yo di kon sa, monsieur toa c'est 86 goud. Cependant, sous marché informel là, il y a 105 goud, il y a 107 goud. On essaye comprendre dossier dollar américain dans le pays d'Haïti. Dossier dollar américain, si yon bagay nou kapab di ki, t'as semblé politisé. T'as semblé gagner des mouns qui cachaient derrière dollars américains. Yo serré dollars américains. Yo dit yo pap quitte ti masse là. Li même pour le respirer, pour le prendre souffle. Parce que nous même qui nan classe informelle là, si nous jouons dollars américains, n'a pas fait commande, n'a pas acheté des marchandises. Yon façon pour nous émerger tête nous, pour nous sortir dans sa nouye journée aujourd'hui. Eh bien, nèg sa yo, gros torien sa yo. Yo même yo pa vle ti peuple la vive, yo kembe dollar. Ensemble avec l'État, yo pa kite ti peuple la jwenn dollar américain. Tandis que l'État te prend des mesures, yo te dit qu'on sa ka yo pral dédollariser pays ya. Tout bagay net c'est en goud ou pral acheter. Yo te fait ça, mais ça pa te kembe. C'était un dife pay, ça te fait pendant un mois et demi, après ça, tout bagay net te remonte même genre. Tout prix te remette même genre en dollars américains. Ça veut dire, pas bon ici, nous avons l'État pépé. Yon l'État qui pas jamais stable. Yon l'État qui vacille. Yon l'État qui pas jamais chita vraiment sur un bagay concret. Là, on voit un transfert pour vous. Bureau de transfert, là, yon dit, monsieur, yon kaba ou goud, yon kaba ou dollar. L'homme de pour qui raison, yon dit BRH. Selon le principe que BRH ba yo, ou bien selon l'autre BRH, qui donc yo pas supposé ba ou dollar. C'est goud yo supposé ba ou. Et s'il vous plaît, yo prend goud ou a pour un petit crasse monnaie. Tandis que ou même, sous ta besoin à l'acheter ton bagay, ou a obligé mette sous goud ou gen nan monan pour acheter un dollar. An gade coup d'état ça nèg yo fait contre petit peuple là. An gade coup d'état ça nèg yo fait contre marché informel là. Moins besoin 105 ou 110 goud pour m'acheter un dollar américain. Tandis que les recevoir transfert là, moun sa yo qui gen bureau de transfert yo, c'est moun qui gen banque yo. Yo prend le même à 86 goud. Cependant, moi même les bra l'acheter le nan men yo, m'a pas acheté le nan men yo à 110 goud. Même banque sa qui prend dollar américain nan à 86 goud, yo mette une série de moun nan la rue ya k'ap vann ou li à 80 à 100 5 goud ou 110 goud.
Madame, monsieur, dans quel pays nous vivons? L'État n'a pas jamais pensé résoudre ce genre de problème. Ça yo. Imaginez, vous avez pris Kay. Kay n'a pas bon site pour 100 dollars américains. Il y a des gens qui ont un Kay, qui ont un visa, qui ont un million, quand on moun ka viv, c'est dollars américains. Lorsqu'on parent qui l'a bo qui voyait dollars américains pour vous, ou al prendre yo ba ou l'angoud. Kounya la moun sa li même qui gagne kay li 100 dollars la plouel ou obligé al dégage ou koumet Jean-Jacques pour jouer une goud pour mettre sous sorte gagnant pour al acheter dollars américains pour al louer kay la. Et même pour payer l'école, c'est même bagay la. Et gon série de côté pour entrer ou al acheter, c'est dollars américains pour gagner. Tandis que l'État te dit y a dédollarisé pays ya. Madame, monsieur. Nous avons un pays côté l'État pas prend responsabilité du tout. Nous avons un pays côté l'État mettez tête ensemble avec le secteur privé pour finir avec ce peuple là. Yo di nous même qui dans classe défavorisée, yo di nous même qui dans secteur informel là, nous pas émerger. Ça veut dire faut que nous toujours dépendre de yo. Pas boy sit, c'est gros trip qui valait petit trip. C'est pi gros qui soucé pi piti. Yo pas bay nous pièce possibilité pour nous avancer. Nous avons une classe bourgeois qui n'a pas payé rien du tout. Pas bon ici, bourgeois, pas bon ici, c'est faire l'argent plein poche. C'est faire l'argent mettre de côté. Yo pas jamais réglé rien pour payer. Et c'est même bourgeois ça yo qui gagne une banque, qui gagne un bureau de transfert. C'est même yo même ça qui a sous dollars américains. Hein? C'est même yo même ça. Les cobles la vini, les transferts la vini yo do BRH passe yo l'autre pour pas ba ou goud. Et bien yo tout ke beti dollars, yo lage goud la nan mon. Ou même sou besoin dollars, dégage ou al chercher met sous goud oua pour capable gen dollars. Et s'il vous plaît, ou pas bon ou apel dollars. Parce que dernièrement là, ou pas changer plus que 50 dollars américains pour un moun nan banque ni nan bureau de transfert. Ça veut dire, ti peuple là, pas jouen dollars. Ça veut dire, ti peuple là, pas ka fè commande. Ça veut dire, ti peuple là, pas ka acheter marchandise. Si ti peuple là besoin faire commande, c'est nan men yo pour venir faire commande. Si ti peuple là besoin acheter marchandise, c'est nan men yo pour venir acheter marchandise. Yo même yo gen franchise douanière, yo même yo pas payer taxe, yo même marchandise yo entre dans contrebande. Yo pa gen pièce moun ki pou poser yo question, yo pa gen pièce moun kap vin di yo men combien kob ya paye l'état. Cependant, yo même le yo vin a marchandise yo, yo vle se nan men yo pou vin acheter, yo vle se yo pou vann nou et yo vann nou avec prix yo vle. Yo vann nou avec to yo vle. Mais pour qui raison nèg yo pa vle secteur informel la jwenn dollar? Mais pour qui raison l'état t'assemblé mettez tête li avec groupe de moun sa yo pour finir avec petit peuple là. Madame, monsieur, il est temps pour nous lever camper. Il est temps pour nous dire non avec jeune qui a gérer pays là. Il est temps pour nous dire non avec façon groupe de moun sa yo prend pays là en otage. Moun sa yo t'assemblé pays là c'est pays pa yo yo. T'assemblé pays là secteur privé ça, secteur des affaires ça, qui kembe dola depuis en lait, qui dit peuple la pas vivre. Cependant, même nèg sa yo, yo dépend de peuple la, yo dépend de masse la, yo dépend de sa n'ap vin acheter nan men yo chaque jour. Si pa gen entre sorti, si pa gen achat youn avec l'autre, ti malere pa vin acheter nan men yo, yo pa fè kòb. Mais pour qui raison? Nous pas vle peuple là lui-même yo émerger. Mais pour qui raison l'État pas jamais dit rien dans ça? Pour qui raison les mal dans bureau de transfert yo changer dollar avec un taux, les mal dans la rue yo changer avec un autre taux, les mal acheter dans bureau me joigne avec un taux, les mal acheter dans la rue me joigne avec un autre taux? Qui ça l'État a dit dans ça? Qui solution l'État pral pote pour bagay ça? Est-ce que ti peuple ça li même nan misèl trouve le jounen jodi a, pa gen moun kap jèm di yon mot pou li? Est-ce que ti peuple ça condamné vraiment pour le mourir de la misère? Est-ce que ti peuple ça li même piye ça qui soukoul la, piye secteur privé ça qui soukoul la, est-ce que yon jou pa gen pièce moun kap di autant leve pied yo sou kouti peuple la? Est-ce que pa gon président vraiment kap penché bon côté peuple?
Est-ce que n'a pas un président qui a dit peuple ça a été voté, yo gen droit yo. Les moun ki dans secteur informel là, ti machin yo ki dans la rue ya, ti madan sara yo, moun kap fè commande marchandise yo ki pa gen gros moyen même j'a avec grand nèg yo. Est-ce que yo même tout yo pas gen droit pour yo vivre? Est-ce que yo même tout yo pas gen droit tout pour faire business? Est-ce que yo même tout yo pas gen petite pour yo voyer l'école, yo pas gen petite pour payer université pour yo? Est-ce que même moun sa yo tout yo pas gen droit à loisir? Si moun sa yo vin trouve yo nan opposition, yo pa ka jwenn dola américain pou yo achete ti marchandise yo, pou yo fè la fè, pou yo vann, pou yo jwenn moyen pou paye l'école pou pitit yo, pou yo jwenn moyen pou paye université pou pitit yo, pou yo satisfè pwòp bezwen pa yo, nou pral vin jwenn yon société kap mache sou yon sèl pye. Nou pral vin jwenn yon société kote se sèl gran nèg la li menm ki gen possibilité pou fè commande. Ti malé réa li même, li pin pa gen possibilité pour faire commande, comment yo pral vivre? Yo pral vivre dans la misère. Nous pral vinn gen plus haine dans société a, nous pral vinn gen plus moun kap mouri grand goût parce que grand nèg sa yo, soi-disant bourgeois sa yo, yo pa vinn régler rien pour pays a. Nèg sa yo c'est comme seulement y a fait. Yo pa régler rien pour pays ça. C'est seulement prendre dollar, mettre l'en côté. C'est prendre dollar pour yo faire propre business yo marché. Est-ce que l'état haïtien vraiment a dit yon mot pour question dollar américain dans pays d'Haïti? Madame monsieur, dossier ça, c'est un dossier n'a suivi avec un pile intérêt. Président pays a dernièrement te mette des millions de dollars, des centaines de millions de dollars dans la rue. Eh bien gros vote sa yo, gros palto sa yo, tilolit gros trip sa yo, yo vale dollar. Président te pren yon décision à travers banque centrale. Nèg yo te injecté des millions de dollars sous marché informel là. Pour nèg yo, ça t'a pral résoudre problème nan. Ça t'a pral bay goud la yon souffle avec dollar américain. Cependant, nèg yo te bien compté mal calculé parce que l'off injecté tout dollar sa sous marché ya, eh bien nèg sa yo, les grands bourgeois sa yo, nèg banque sa yo, yo tout sous ces ti dollar sa non clin d'œil. Après ça, ou pral saisi wè crise la pral remonter pire encore. Les présidents te jete tout comme ça. Nou wè goud la te descend dollar te descend. Ou te besoin moins goud pour te gon dollar américain et gan pile chantage qui t'a fait que goud dollar k'ap descend à n'importe 40 goud. C'est un bon bagay. C'est à une bonne initiative. Mais, on garde bien pour nous, ouais. C'était bien compté, mal calculé. Parce que nèg sa yo même yo bien programmé. Système pa yo a bien monté. Système pesé sous si ça. Son système qui monte pour pas quitter ti peuple la jwenn anyen. Automatiquement, dollar a tombé. Nèg sa yo même yo getan pran dollar, yo serré le côté pour yo serré. Après ça, vin pa gen dollar sou marché ya ou même ti peuple la yo vin kebo nan kou parce que ou a besoin dollar pour faire commande, ou a besoin dollar pour acheter marchandise, ou a besoin dollar pour voyager, ou a besoin dollar pour acheter nan market yo, nan magasin yo. Et gen pile magasin nan pays ya 100 dollars yo vann, yo pa pran goud la nan mon. Et si ou ta décidé à l'acheter avec goud, yo faut payer à 115 et même 120 goud pour un dollar américain. Madame monsieur, qui wòl ministère commerce? Qui sa moun sa yo ap fè? Est-ce qu'il a fait pays tout bon vrai? Est-ce que nèg sa yo nan intérêt ti peuple ou bien yo nan intérêt classe bourgeois ou bien yo nan intérêt classe possédante lan? Moi me pense yon l'état ta supposé équilibré parce que yon société a besoin tout moun pou fonctionner. N'a besoin secteur privé ya, n'a besoin grand nèg yo, n'a besoin bourgeois, soi-disant des bourgeois, mais ce sont des bourgeois salopes qui pa jam créer rien pour pays ya, pa jam créer des activités sociaux pour peuple la rejoindre nos bagay. Et n'a besoin ti peuple là, n'a besoin marché informel là, parce que c'est tout moun sa yo qui pour unir force ensemble pour équilibrer économie pays ya. Mais là nous remarquer yon l'état qui plus penché vers secteur privé ya, yon l'état qui font coalition avec secteur privé ya pour porter un coup d'état contre secteur informel là, madame monsieur Jean Bagalavine présenté ya ti peuple là ou obligé lever, camper pour dire non. Non avec ça qui a passé ya. Non avec Jean nèg yo a géré dollar dans pays ya. L'état prend bagay yo en main. Font jeton coup d'œil. Repasser maintenant fait dollar américain.
repenser je n'ai pas organisé bagaille, je n'ai pas injecté l'argent dans la rue. Parce que l'on injecte l'argent, l'on injecte de l'eau sous le marché, eh bien, ce n'est pas pour petit peuple l'on injecte, c'est pour le gros palto, c'est pour petit lolit gros tripio, c'est eux-mêmes qui prennent le valet de l'eau. Petit peuple là, pas besoin de rien. Et goun l'autre bagaille n'est pas arrivé fait. Neg, soi-disant, gros commerçant. L'entre dans un market ou bien dans un magasin ou à l'acheter un bagaille. L'arrivé dans le casier yo ou elle a un prix. Et l'arrivé sous caisse là ou je n'y piche. Par exemple, produit ça, li vend $50. Et l'on a le payé, il faut payer $55. Et l'on mande pour qui raison? Yo dit comme ça, c'est produit qui te gagne déjà, qui te gagne à bas prix, qui est en fini, qui donc ça lui-même, ou elle, son l'autre produit qui vous venez mettre dans place, li, yo pas de retirer prix. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire produit ou je n'ai $50. Koto ou marqué $50, produit ça est en fini, yo venez mettre l'autre produit à prix $55, mais yo pas de retirer prix $50 pour mettre $55. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous prenez nous pour macaque. Ça veut dire que vous prenez nous pour les gens qui pas contre importe, qui pas bail l'argent importance, qui pas contre l'argent. Mais qui est le ministère du commerce? Protéger consommateur ou bien protéger les gens qui vendent? Comme on t'a vle mal acheter ton produit, l'aimrive dans casier, moi produit à $50, l'aimrive sous caisse là, je dis, yo dit c'est $55 m'a payé. L'aimpété coquin, yo dit non monsieur. Produit ça ou aller vendre $55. Dans casier ou là, ça te vendre $50 au fini. Yo pas de temps retirer étiquette là qui donc yo vinn déposer ça $55. Son façon pour montrer nous comment nèg yo a fini à ti peuple là. Son façon pour montrer nous que l'état vraiment pas fait rien. Que l'état c'est showbiz l'a fait. Lors où nèg yo t'a courir monter descendre dans toute market, dans tout magasin, à vérifier est-ce que dollar, est-ce que moun yo mette prix yo en dollar, à vérifier à qui taux moun yo a vendre produit yo, tout ça c'était showbiz. C'est une façon pour te faire ouais, c'était diffé paille, c'est pas rien sérieux que t'a réglé. Madame monsieur, le peuple haïtien dans son ensemble et surtout moun qui dans secteur informel là on levé campé. Même Jean Bandi yo a levé campé, il a dit non, il a demandé l'état, mais ça a demandé l'état, l'état pas arrivé sous yo, l'état te fait manger sous yo. Eh bien nous même qui dans secteur informel là, c'est nous même qui poumon société là, c'est nous même qui poumon économie pays là. Automatiquement secteur informel là campé, eh bien économie pays là campé tout. Automatiquement secteur informel là fait back, économie pays là fait back. Coup d'état ça qui nèg yo a fait contre secteur informel là, faut que nous dévoiler, faut que nous dit non, ça va pas passer comme ça, faut que nous dit non, l'état prend destin en main, râle les oreilles nèg ça yo, taper yo si yo mérite taper, l'aime dit taper yo, si c'est amende pour nous faire nèg yo payer, fait yo payer amende, suspend peser couti peuple là, suspend priger ti peuple là. Parce que ti peuple là li même tout li gen droit pour vivre. Ti peuple là tout li gen madame, li gen petite, faut yo manger, faut l'école payer, faut loyer payer, faut université payer, faut yo à l'hôpital, faut yo vivre bien. N'a vive dans une société côté tout monde malade parce que moun yo mal manger, moun yo malade parce que yo mal manger. Ça cause parce que nous avons l'État qui ne prend pas responsabilité la main. Insécurité à faire rage. Moun pa ka sorti pour aller vendre. Moun pa ka ouvert business yo. Secteur informel là a prije ti malere yo. Sa gros bourgeois qui gen gros facto, gen gros business qui a fait importation. Y a pesé kou ti piti yo. Pour ti piti yo pa ka jwenn souffle pour yo respirer. Yo vin pa ka sorti. Yo vin pa ka jwenn nou la. Yo pa ka vendre. Yo pa ka jwenn marchandise. Yo vin pa ka fè kòb piti yo pa ka manger. Yo pa ka l'hôpital. Yo pa ka paye l'école. Là, nous venons trouver nous face avec une crise sociale. Là, nous venons voir tout petit malheureux obligé de venir malade parce qu'il n'y a pas qu'à manger. Il n'y a pas de possibilité pour y manger. Ou à vivre dans une société côté jeune femme prête pour faire tout bagaille pour assiette manger. Est-ce qu'elle t'a supposé comme ça? Mais non, pas t'a supposé comme ça. Parce que manger n'a pas de luxe.
si nous avons un secteur privé vraiment, nous avons une classe bourgeoise pas de salope. Les on prend dollar américain, yo te fait le vin jeune peuple là encore, même si yo pa bay peuple là tout, mais yo ta bay peuple un petit bagage vini avec des projets, vini fait développement dans pays ya pour tout monde capable jeune un bagage, mais yo pas fait comme ça. Et l'état t'assemblé en connivence ensemble avec yo parce que les on fait l'argent ça. T'assemblé l'état jeune pas là-dedans. T'assemblé gain des autorités qui jeune pas yo là-dedans. C'est ça qui fait nèg yo pas penché sous ca peuple là. C'est ça qui fait nèg yo pas jamais dit rien pour ti marché informel là. Madame monsieur, bagay yo grave dans pays d'Haïti. Dans pays d'Haïti, a fait peuple pas primé vraiment. A fait nèg a parler de peuple pas gain ça du tout. C'est a fait poche. A fait des pays pas gain ça. C'est a fait patrie poche qui gagne. Peuple haïtien, puisque le pays est à nous, puisque le pays c'est nous, c'est nous-mêmes qui pays ya, c'est nous-mêmes qui pour prendre destin nous en main, c'est nous-mêmes qui pour dire nous avec nèg sa yo, on garde yo nan jé, on di yo sa nou doit di yo, on agi jan nou doit agi. M'ba voye moun al krasé brisé, m'ba voye moun al boulé magasin moun, m'ba voye moun al faire violence sous pièce moun, mais on garde nèg yo nan jé. On dit monsieur, j'en a fait bagay yo le pas bon, bagay yo mande régulariser. J'en ap sou se ti peuple là, on font lever pied nous sous peuple là. Nous plume pour la trop monsieur. Nous plume pour la trop. On suspend plume pour la. On bail pour la on tire pour plume pousser sous dol. Grand nèg pa boy ici, c'est là pa ka bay rien encore y a plagé ou parce que tout autant y a pris jour, yo wo gon ti manque là dedans ou, y a sou se jusqu'à ce que yo fin quand tout mouel tête tout, les pa jeune en sous eau accrété, yo jeto. L'état pas jamais dit rien. L'État, embagé l'État, embagé autorité, embagé ministre commerce, embagé commissaire gouvernement, embagé secrétaire d'État à la sécurité publique, là, nèg sa yo, yo pas jamais dit rien pour le peuple. Yo pas jamais agi au nom du peuple. Yo agi au nom poche, yo agi au nom secteur privé, yo agi dans un petit classe, petit groupe de monde qui a géré business dans le pays. Ya. Madame, monsieur, si vraiment nous voulons changer pays, si vraiment nous voulons Haïti prendre l'autre essor, si vraiment nous voulons Haïti sortir dans sa lié journée jodia, on lever campé. Lever campé derrière l'État. Fais pression sur l'État. Dis l'État, nous te votons, nous te prenons la rue avec quatre en main. Nous t'al votons, monsieur le président, pour te botte manger dans l'assiette nous, pour te venir avec un projet de un promesse de campagne, ou à mettre manger dans l'assiette nous, ou à mettre l'argent dans la poche nous. C'est peut-être ça nous t'al voto. Si nous t'al voto pour mettre manger dans l'assiette nous, pour mettre l'argent dans la poche nous, dollar américain secteur privé à Kembe a, li empêche nous même dans classe informelle la joindre pour nous faire commande, pour nous acheter marchandises, eh bien, fais pression sur secteur privé a pour yo libérer de l'argent ça, pour l'argent ça circuler sous marché informel là, nous même tout pour nous joindre pour nous ka vivre. Même grand nèg ça yo, c'est grâce à nous qui fait yo faire l'argent. Parce que si nous pas l'acheter dans main yo pas vendre. Les yo fait pile commande dans l'autre bois, c'est pas étranger qui vient acheter dans main yo, c'est nous même petit peuple là qui vient acheter dans main. Et ministère santé publique font coup de pied tout dans business nèg ça yo parce que nèg ça yo a vendre en pile produit expiré. Gen market ou kon passe ou acheter jwenn mon produit yo expiré. Ministère commerce so a fait. C'est showbiz seulement a fait. Lè nou fon passe, nou fon pression, mba konè, t'assemble gen lè gen kèk ti bagay ki regle pa an ba, dossier a fret. T'assemble gen kèk négociation ki fèt, dossier a fret. Est-ce que nous avons vivre dans un pays comme ça? Est-ce que nous avons vivre dans un pays côté l'État, pas pour le peuple là, n'est pas tigé d'où? Yon businessman nous fait en autorité, li fait un gel sous ti peuple là, li nous mettre pesé cool. Parce que secteur privé ou bien businessman nan getan fait autorité sans tige dou. Madame monsieur créole parle créole comprendre. Nan fait dollar américain en Haïti. Jan nou wè bagay la. T'assemblé. Gen an pile gotorien nèg ki gen l'argent dollar ki gen dollar américain ou nan men yo fait an pile autorité nou yo jedou. Lè ou fait yo jedou nou ka comprendre ça vle di. Ça vle di ki ça? Bouche en pile nèg maré, yo pa janm di rien pour peuple là. Yo pa janm di rien. Lè yo voye transfert à ba nou, yo ba nou nan 86 goud. Cependant, lè nou pral acheter n'a besoin 110 goud.
115 goud pour nous acheter. Et là, nous sortons dans la rue, même nèg ça encore, ils changent à 105 goud. Pour quelle raison l'État va jamais dire rien? Parce que nèg a fait au jeu. Parce que ils ont en connivence, madame, monsieur. On prend destin nous en main. On dit non. On dit halte là. Nèg ça yo cap vend nous des produits. L'on paraît dans casier ou je n'y a compris et puis l'on sous caisse là, yo font noir avec yo font payer le pichet. Moi même comme journaliste, moi victime de ça. Après me joindre sous caisse là, après me joindre dans casier, les mal sous caisse là, me payer le pichet et les pété coquin, yo dit monsieur, produit te vont après ou te ouais, les gétan fini, son l'autre produit nous vient remplacer, nous pas de gétan changer prix. Madame monsieur, maintenant qui paye n'a vivre. Tandis que nèg sa yo pa paye douane, yo pa paye taxes, nèg sa yo ce sont des sensi qui a sous ces peuples là et l'État pa jam di rien. Madame monsieur, puisque le pays est à nous, c'est à nous de décider, c'est à nous de prendre le destin de ce pays en main pour nous chavirer bagay la, parce que chodje a bouillon seul bon, l'idée temps pour chodje a bougie dans quatre coins. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir été des nôtres. Pour présenter l'émission, ça, c'était moi-même, toujours votre fidèle serviteur, l'infatigable Ville Willman. Merci, à la prochaine.